Nous allons prier comme Jacob. Il faut que Dieu change notre identité spirituelle. Venez d'entendre les aveux, écouter les aveux de certaines personnes. Et dans les aveux, l'âme, c'est-à-dire arracher l'intelligence et la jeter. Et le sorcier venait imposer une maladie. Imposer notre vie. L'échec, la maladie, le non-aboutissement. Vous comprenez? Jusqu'à même le célibat, on empêche de se marier. Il voulait que Dieu change cette vie-là. Amen. Oui, ce soir. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Amen. Que les chaînes de l'esclavage soient brisées à jamais. Amen. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous transforme ce soir. Amen. Il vous accorde la délivrance. Amen. Est-ce que tu as foi en ça? Amen. Qui a foi en ça? Amen. Jésus. Qui croit que tu vas le délivrer? Amen. Amen. Oui, la jeune fille qui est transformée en biche, pas gazelle. Hello. Okay. C'est important pour nous parce qu'il y a trop la maison de mort. Oui, c'est le plus important. Quels sont ceux qui ont fait ça, qui ont transformé en gazelle, sans vous? Venez. Ceux qui ont transformé. Dans quel cours tu deviens gazelle? Ça va? C'est une belle fille. Monsieur, tu es sorcier? Oui. Hein? Oui. Tu es sorcier? Oui, je suis sorcier. Ah bon? Oui. Qui t'a donné? C'est mon frère. Comment il t'a donné ça? Un tamoyen de la séquille. Et il a consommé le poisson à viande. Le poisson à viande. Et tu as mangé? Oui. Tu as tué? Oui. Combien de personnes? Six. Six personnes. Oui. Comment toi tu fais pour tuer? Je me transforme en serpent. Oui. Il est mort. Il est mort. Mm-hmm. Tu l'as tué. Oui. Tu manges après. Oui. Ok. Tu as gâté quoi? Tu as gâté qui? Ma grande soeur. Qui? Karine. Ah, d'accord. Chacun son terrain. Qu'est-ce que tu as fait? Ça va? Ça va bien, moi. J'ai fait la guerre? Ok. Tu as gâté celle-là? Oui. C'est une petite fille. Tu nous as gâté. Qu'est-ce que tu as gâté sur celle? Oui. Tu as gâté quoi? Un chien sur elle. Tu connais pas WC? Vous êtes foutaise, hein? Tu sais pas où tu connais WC? Moi, ça n'existe pas chez toi, PC. Hein? Tu as fait quoi? J'ai chié sur elle. Comment t'as rangé? Monsieur, oui. Tu t'as rangé comment? Vous la même là. Il faut que vous ayez coco. Quand tu finis de chier, ton ami sort. Tu as fait quoi? Comment t'as rangé et puis aller chier sur elle?
Monsieur. Oui. Tu t'as caché, non? Oui. Tu as fait comment? Elle était où? Et tu as fait comment? Tu es allé chier ciel? Elle dormait. Elle est partie chier ciel. Donc la maison n'a pas baissé. Chier là, c'est pour faire quoi? Quand tu chiais ciel, c'était pourquoi? Oh, regarde là qu'il fait. Tu dois recevoir certaines personnes. Tu as fait comment? C'était pourquoi? Mais tu as vu WC et puis tu as dit tu es l'homme. Oh, caca qui t'a mis ciel. C'est spirituel. C'était pour faire quoi? C'était pour l'initier. Initier, non. C'est pour gâter sa vie. Quand on vient chier sur toi, c'est pour bloquer toute sa vie. C'est comme tu as un esprit de rejet. Voilà. Ça, c'est pas initiation. Initiation, c'est la vie qu'on donne à quelqu'un. Voilà. Je dis, je suis expert en délivrance des sorciers. Bientôt mon livre sort. Ça va sortir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. On va plus vous distraire. Amen. Mmh. Ben nous démystifions la sorcellerie. Amen. Tu as gâché toute sa vie. Oui. Hein, pour pas qu'elle va réussir tout ça. C'est pour ça que tu allais chier le ciel. Oui. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes rien. Et puis tu as fait, tu fais. Oh. Oui. Tu gagnes quoi en faisant ça? Rien. Et puis tu fais. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as gâté qui encore? Mon grand-père. Il est où? En fait, ce qui doit ressortir, pourquoi? Vous voyez, ça dit, un sorcier dans une famille est un danger. Vous avez vu tout à l'heure les aveux de la dame, la petite fille. Gâter la famille. Gâter tout le monde dans la famille. Tu as fait quoi? Et verser mes commandes sur lui. Hein? Et verser mes commandes sur lui. Quelle journée de l'homme? Mes commandes de coco. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai lancé maladie. Comment tu as fait? Tu as tiré son âme. Tu as émouru. Or, généralement, quand quelqu'un a hémorroïde, hein, quand le sorcier dit seulement est donné hémorroïde, c'est que le sorcier le sodomise. Vous m'avez bien saisi? Voilà, c'est des choses que vous devez savoir. Ce n'est pas maladie la lancer, non, il le sodomise. C'est-à-dire, toi, tu es une femme. Et lui, il devient homme. À Grand Lavaux, dans un village, il y a une fille. Quand tu dis maman, je. Elle dit t'aimes, non? Allons-y. T'aimes là, elle est dans la chambre. Elle ne va pas dire non. Ah ouais? Non, elle ne va pas dire non. Quand elle dit je. Elle dit t'aimes. Elle m'aime, mais allons-y. Il pense que t'as gagné une femme. Oh, toi-même, tu te sodomises. Quand tu finis là, hein, c'est ton ami sort. Vous n'avez pas dit vous touchez à toutes les filles. Je ne connais pas une fille. Elle est belle. Donne-moi ton numéro. Allez, dessus, vous avez une non-limite. Tu ne connais pas une fille, tu ne sais pas qui elle est. Dès que la nuit s'envole. Oh, ils ont le pouvoir là, de faire l'attirance. T'attirer vers elle. Oh, c'est pas tout ce qui brille, joli, joli là, qui est bon. Moi, depuis le travail dedans là, tout le monde me fait peur. Mais oui, aïe. Quand ils ont déclaré l'Ebola, dans les services, on met les médicaments, produits bizarres pour laver ta main. Quand tu descends de l'aéroport, infrarouge, tout le monde tourne, les gens, tu regardes partout. Or, à cause des sorcelleries aujourd'hui, il faut te méfier. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut commencer à dire. Vous avez vu, les aveux de tout à l'heure, elles ont vécu avec une dame. Tout le temps qu'elle maîtrise. Et c'est cette dame-là qui a pris le soin de les détruire. Donc si quelqu'un rentre dans ta vie, vous cherchez à connaître la personne. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle est vraiment spirituelle? Est-ce qu'elle a tiré vers les choses de Dieu? Est-ce qu'elle a craint de Dieu? Ça doit vous intéresser. Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Est-ce qu'elle est... Voilà, c'est tout. Si la crédibilité, la crainte de Dieu n'est pas au centre de vos relations, il faut commencer à aller doucement, doucement, doucement.
pour ça que il faudrait que chacun d'entre nous mette Dieu au centre de sa vie. Amen. Ça va? C'est ça, non? Il est ta femme? Oui. Tu couches à lui? Oui. Donc là-bas, il y a PD. Excusez-moi. C'est la question que tu poses dans ton cœur, là. Quelle chose de dire? Moi, il y a des questions que vous voulez poser. Moi, j'ai l'idée sans même temps la question. Or, je vous explique un peu le phénomène de l'homosexualité. C'est une secte. Et cette secte-là aime bien ça. À partir de la croissance lunaire, les gens couchent avec des hommes. Ils disent que, comme le péché, c'est ce qu'ils disent, comme le péché est rentré par la femme, quand tu commences à coucher avec un homme, c'est le seul pouvoir. C'est pour ça que la plupart de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie sont dans ce genre de truc. Or, quand on couche avec toi, comme nature, la personne qui pratique ça prend quelque chose en toi. Il y a quelque chose que tu mets en l'homme. C'est tout ça que les gens prennent. Tu as pris sa chance, c'est ça? En couchant avec lui, tu as pris sa chance. Oui. Et tu as mis ça où? Il y a la chance dans nos camps. Tu as pris ça dans nos camps? Oui. Et toi? C'est ça, Janice. C'est ce nom qui a pris. C'est quoi? Je suis chanceux. Tu t'appelles Grâce. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Grâce. Hein? Kwaku Grâce. C'est tout. Peigné. Vous savez ce qu'on appelle peigné? La présence de Dieu. Tu es une famille chrétienne? Hein? Elles sont à l'église, non? C'est ça? Vous avez laissé le diable comme ça, avec ici les enfants. Amen. C'est le grand nom. Peigner, on sait que déjà de la famille chrétienne. Grâce, tout le monde peut donner. Mais quand quelqu'un a joué Peigner, on sait que cette personne a quand même connaissance de la Bible. C'est pour dire, vos enfants, vous devez les mettre dans cette histoire de Dieu. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on néglige. Ça nous dit rien, on est fatigué. Or, l'enfant, les enfants sont la relève. Or, il faut s'investir. C'est vrai qu'on on investit le matériel, l'école, mais la spiritualité, on néglige. Or, c'est la spiritualité qui fait l'homme. Même prier sur les enfants, on néglige. C'est dit non. Ah, c'est pas bon, il faut les associer à ça. Il faut leur apprendre ça. Amen. Oui. Je disais aujourd'hui, il faut apprendre même à bénir les enfants, leur imposer les mains. Or, il y a des gens qui ont doctorat en malédiction maudite. Là. Ils ont eu doctorat dans ça. Ils ont doctorat en malédiction maudite. Là. Quand tu les entends parler, on peut toujours bénir les enfants. Or, si les enfants ont une vie spirituelle, c'est possible. Tout cela ne va pas rentrer dans leur vie. Le diable aura peur. C'est pour ça que quand vos enfants veulent dormir, donnez-leur le verset de Psaume 4, verset 9. Si vous voulez dormir, je me couche, je m'endors en paix, car toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, tu deviens invisible. Aucun sorcier n'accepte ton âme. Je vous donne les secrets. Moi, je vous donne les secrets. Amen. Tu dis notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. C'est aromatique, tu mets sur ton corps. Quand tu veux dormir, c'est notre Père, que ta volonté soit faite dans le ciel comme sur la terre. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Je ne suis pas en train d'attaquer une église, vous plaît. Je ne voyais pas comme pour faire d'attaquer une église. Regardez la prière de notre Père qui est aussi. Qu'est-ce que ça va avoir à dormir? Protège-moi. Or, quand tu lis le psaume 4, verset 9, je me couche parce que tu es couché, tu vas te coucher. Et je m'endors en paix, parce qu'on ne doit pas brouiller ton sommeil. Or, pendant que tu dors, tu peux avoir un cauchemar. Les gens peuvent venir troubler ton sommeil. Je me couche, je m'endors en paix, car toi, éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. C'est fini. Et notre Père qui est dans les cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. On dit quoi après? Amen. Non, il faudrait qu'on vous apprenne. Il faut qu'on vous enseigne comment vous défendre. Ça, c'est important. Or, si vous êtes dans le Seigneur, vous n'allez pas échouer. C'est l'endroit où vous n'allez pas échouer. C'est tout. Mais c'est l'ignorance. Parce que vous ne maîtrisez pas certaines choses, le diable vous attaque. Paf, là, ça. Alléluia. Or, quand tu dis, par la foi, c'est une prière prophétique. Je me couche, je m'endors en paix. Parce que puis, Jésus est le prince des pères. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est fini. Le psaume 4 de verset 9. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Dites à vos enfants. Inculquez à vos enfants. Vous allez voir. Ils vont commencer à avoir une vie de prière. Il suffit seulement de dire ça, c'est fini. Tu iras dans l'invisible. On ne doit pas te voir. Non. Alléluia. Les sorciers savent que je suis invisible. Quand ils cherchent mon âme, ils ne gagnent pas. Quand on t'appelle ton âme, brrr, tu viens quoi? Visible. Non, tu dis, non, pas Capri. Gazelle. Il va te dire, et marchons dans le Seigneur. Vous comprenez? La chrétienté, c'est une vie. Parce que c'est, ça n'honore pas le Seigneur. Quand tu es dans le Seigneur, puis le diable vient te détruire, c'est grave. J'ai écouté un gars, il dit, Nyawa Kobo Gitambert. Lui, il est expert enfermé oreille. Dans l'église, le président de l'église, quand on commence la prière, bénissons le Seigneur notre Dieu, il vient et fait son ministère. Il prend le coton, il met dans vos oreilles. Vous voyez, l'église est en train de dormir. Quand le fini, tu te réveilles. Ta poitrine est mouillée de crachats. Et tu as bavé sur toi. Dans l'église. Or, si vous ne prenez pas cette histoire de Dieu au sérieux, vous allez voir Satan dans l'univers. Amen. Que Dieu nous aide. Ça va? C'est joli. Tu as fait quoi? T'as quel âge? On t'apprend à t'envoler. Et puis on a remarqué, vos croissants de cartilage, enfin, les sorciers. On est que le diable mange ça. Il y a une fille, elle est petite, 15 ans, quand elle est comme ça. Quelqu'un a 15 ans. J'ai encore chez moi. Ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. Mon papa a fait quoi? La pluie chocolat pour moi. La dépêche sur la table, je suis allé dormir, mais Tu as gâté tout, tu as fait quoi? Ici, j'ai attaché ma gorge là. Après, oui. Il va. Deuxième. Deuxième, toi. Je vois ton cœur chaud. Tu l'as attaché? Oui. Où? Rien là. Hein? Elle est quoi là-bas? Elle est gazée. Elle n'a rien connaît. Elle m'appelle connaît. Là, il là-bas. Tu fais quoi? Il dit de l'attacher. Après, il va relever son cas. On va faire quoi? Après, lui, il va relever son cas. Il va son cas. Car là, c'est dans le ventre. Il va manger. Il va manger. Non. Aïe, Gazé, on fait quoi si on mange? Vous allez la tuer pour manger. Il dit qu'après, il va la tuer. Et vous allez manger? Oui. Donc, tu es sorcière? Oui. Tu vois clair là-bas?
Tu as fait qui? Tu as fait quoi encore? Ils disent de gâter le commerce de la maman. Ouais, non, ça, ils vont pas loin. Ils commencent d'abord dans la famille. Tu sais que c'est dangereux. Donc, tu as gardé le commerce dans la maman? Oui. Et tu as fait quoi? Ils disent d'aller dans les médicaments où elles vont. Médicaments? Oui. Donc, toi, tu as un médicament? Ça va? Oui, ça va. Tu as gâté celle-là? Tu as gâté le commerce de ta maman? Oui. Comment vous êtes retrouvés ici? Toute la famille en même temps. Vous venez d'Abidjan? Oui. Vous avez dit quoi? À Kyoko. Comment vous êtes retrouvés ici? À sur YouTube. Ok. Elle avait déjà le. Comment vous avez su qu'elle était sorcière? Venez. Comment vous avez su qu'elle était sorcière? Par la prière. Par la prière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le petit frère de mon mari. Oui. C'est lui qu'on a attrapé le chevelu. Oui. Donc c'est. Alors c'est celui que les a initiés là? Oui. Ok. Elle m'a su qu'elle était sorcière. Mais elle ne disait pas la vérité. Quand elle s'en va, elle ne dit pas. Est-ce qu'on l'envoie et puis elle, on l'envoie dans la sorcellerie? Non, c'est arrivé ici, mais comment tu l'as commencé à dire? Non, ici on parle. Les tuer, les faire ça. Ici on parle. Comme ça. Non, elle a délivré. La sorcellerie est une maladie. Elle a délivré. C'est une petite, il faut qu'elle soit intégrée dans cette société-là. Sinon, si elle a ça, elle va tout gâter autour d'elle. C'est mes enfants au monde, après avoir mangé, consommé à boutique. C'est là le pouvoir de consommer en entrée. Vous avez déjà les huiles, non? Pour les enfants, non? Ok, vas-y. Ok, ça va. Ça va. Dieu va vous délivrer, d'accord? Amen. Elle restera votre petite soeur. Donc, monsieur, tu as un pouvoir. Oui. Comment tu vois? Il est comme un robot, ouais. Toi, tu as un pouvoir. Oui. Comment tu fais? Comment ça y est, médicament? Vert. Vert. Qu'est-ce que tu fais par ça? Cette petite là, tu entres dans la chambre. Tu n'as pas Jésus. Elle va te faire frites. Comment c'est? C'est vert. C'est vert. Oui. Puis tu fais quoi ça? Je dis que tu as vanille. Tu y pour moi. Il m'a pas encore dit qu'il y a pour moi. Il m'a dit que tu as vanille. Que si l'on s'est passé. Est-ce qu'il y a vanille après? Il y a comme ça pour dormir. Mais après, je suis levée. Donc tu peux faire comme ça, quelqu'un peut le détruire. C'est ça? Tu sais ça? Oui. Tu peux regarder quelqu'un comme ça tout en le détruit. Oui. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça la peine, on appelle gnani gnani. Vous donnez gnani gnani aux enfants. Gnani gnani. Tu es là la petite fille, tu regardes quand tu perds. T'as l'impression que tu as oublié quelque chose. Donc si tu me regardes, ça me fait tomber. Moi, j'aime tester les pouvoirs. On était forte. Toi, t'es plus forte. T'es tombé de ton bras, non? Ah, tu veux dire qui est fort? Non, c'est toi. C'est toi. Toi, t'as trop de force. C'est ça, non? C'est ça? Oui. Où est la queue de éléphant ils t'ont donné là? Tu as ça mystique. Tu prends pour disparaître, vous avez. C'est là-bas. Ah. Pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi t'as pas dit ça? Hein? Oui. C'est la queue. Tu vas déjà vu, non? Hein? Oui. Oh, le pouvoir, c'est ça. C'est la queue d'éléphant qu'elle a mystiquement
peut disparaître. Ça va? Elle est dangereuse, elle est très forte, mystiquement. Elle peut visiter une maison en 30 minutes, un quartier. Vous voyez pas ça dans les films là? Elle peut faire ça en 30 minutes. Oui, Harry Potter. Elle peut faire ça en 30 minutes parce que le pouvoir là, qu'elle a là, c'est qu'elle fait ça. Elle peut prendre cette maison, suspendre ça comme ça, paf. Madame, c'est là-bas on fait ça. Tu fais ça. Tu es faute, hein? Hein? Tu es faute. Oui. Comment tu fais? Tu cours, non? Vous la regardez, non? Dangereuse. Allez! Au nom de Jésus. Allez! Elle a un pouvoir très dangereux. Vous savez pas que ce qui en vous est fort. Moi j'aime tester la puissance de Dieu. Oh, cette petite là, elle est très dangereuse. Au fait, le problème, c'est que le diable, il est tellement rusé, il ment aux enfants. Il peut te miroiter quelque chose, si tu fais, voyez ce que tu vas avoir. Et puis on te dit, non, tu n'as pas encore arrivé, fais encore, tu vas avoir ça. C'est pour ça que tu arrives souvent à les avoir. Je chasse le pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis le pouvoir par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Jésus, c'est une force. Amen. Quand vous avez l'onction de Dieu, quand vous avez la force de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut résister. Amen. Non. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'Élie était serein face au prophète de Baal. Il a gardé sa sérénité. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Quand Élie s'est présenté, Dieu est descendu avec le feu. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Amen. Il dit le Dieu qui va répondre. Ça veut dire que non, Dieu là, il répond. Le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le Dieu qui sera adoré ici en Israël. Amen. Dieu répond. Amen. Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut banaliser cette maladie. La maladie dont tu souffres, dis-toi que Jésus va te guérir de cette maladie. Au nom de Jésus. Amen. Il va changer ta situation. Amen. C'est tout. Sorcier, c'est qui? Ouais, sorcier à terre. Amen. Ouais, sorcier à terre. Ils ont quel pouvoir? Jésus est trop puissant. La puissance de Jésus. Dans un village, ça va les pays à grand là où on a un sorcier. Il a dit dans son village, le monsieur là, il est tué ici. On n'a pas donc parlé de lui. Il est venu me tester. Dans la salle, on a coupé une classe pour faire un culte dimanche. Il allait se mettre au bout là-bas, au fond de la salle. D'abord, il cherchait à me voir où je dormais. Il voulait me saluer. Or, s'il mettait sa main dans ma main, c'est fini. J'ai dit aux gens, il y a un lieu de culte. Il allait s'asseoir là-bas. Quand je suis là dans la salle, c'est lui qui m'a intéressé. J'ai dit, monsieur, il est venu faire prier. Il dit, cette prière, il est venu faire. Touche! Il est tombé sa tête, nuit, il a frappé le mur. Qu'elle laisse lever la fête d'y aller. Amen. C'est comme ça. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Amen. On gagne, hein? Je vois tout son truc là. Il est parti humilié. Une semaine après, il est mort. Amen. C'est moi qui ai venu manger. Amen. Pourquoi? Moi, j'ai décidé de marcher du fort. Amen. Et puissant. Celui qui est avec vous est fort et puissant. Frère, ayez confiance, est fou en Dieu. Amen.
la situation que tu traverses, c'est une petite chose devant toi. C'est une petite chose. C'est parce que souvent on oublie. Et puis on est dans les affaires, les choses qui ne plaisent pas à Dieu, dont Dieu oublie de nous abandonner. Sinon, si on s'attache à Dieu, il oublie de nous honorer. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. C'est quoi? 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 Par rapport à quoi? Hein? La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Mathieu, bonjour, je vais prier. Allez, c'est fini. C'est pas comme des gens qui vont à l'église. Mais devenir chrétien, ça doit être une leçon. C'est vrai qu'on va à l'église, mais il y a ce qu'on appelle une chrétienté. Vous devez chercher à être chrétien. Amen. Je suis l'homme le plus recherché de la planète Terre par les sorciers. Et je cherche à Dieu. Souvent, je marche, puis je vois plein de gens bizarres avec les visages bizarres. Ils viennent contre moi. Et puis, du coup, paf, ils ne me voyaient même pas. Je deviens invisible. Ouais. Moi, je sais ce qui est à moi. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. La force de Dieu. Amen. Pas de l'amusement. Que son nom soit toujours élevé. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais ce qui j'ai posé mes pieds. Amen. Pour ça, je vous regarde, vous les petits mangeurs d'orteils. Elle a mangé son orteil à Tchiké. Lui, elle a mangé le doigt de sa femme à Tchiké Garba. Amen. Une dame à Fresco, on l'appelle Koubaoro, c'était la une des journaux dans le mois d'août, juillet plutôt 2012, celle qui dégradait la poutière. Elle est venue spécialement pour ma batte. Je l'ai regardé comme ça. Elle dit, toi, t'es un homme mort. J'aime bien ça. J'aime les filles. Or, Jésus a vécu la mort. Amen. Moi, la mort ne me dit rien. Ça ne m'effraie même pas. L'apôtre Paul dit, la mort est un gain. J'ai brûlé tous ces trucs, les dragons, tout est brûlé. Elle dit, jusqu'à 18h. Oh, moi, je connais le pouvoir. Jusqu'à 18h, je connais ça. J'ai déjà tout bouclé sur le village. Je sens que tu avoir des grandes connaissances. J'ai tout bouclé. Il te disait non, moi, il dit ok. Comme il est 15h, je m'ai fait ma petite sieste. Madame, je m'ai fait sieste. Voyez ma chambre là-bas. Moi, j'aime bien les navires. Venez voir ma chambre. Si tu veux, va t'envoler. Va au marché. Pour payer gombo. On appelle ça sauce copain. Va t'appeler manger. Elle me rien sourit. Elle dit moi ce qu'il a dit là. Tu vas voir. Je suis allé dormir. J'étais fatigué. J'ai mis le portable. Réveil, 19h.